Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous allez tous avoir aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 12 de Spider-Man et j'ai changé de costume, donc j'ai mis celle-là de ce costume-là. Donc les ennemis n'alertent pas les renforts. Au moins, ça c'est fait. Du coup, ah. Apparemment, Spider-Man saccage les régulateurs de vapeur à travers la ville. Outre ses penchants naturels pour le vandalisme et le désordre, pourquoi fait-il ça? Je vais vous le dire, moi. Parce que quand la ville déploie des équipes pour régler le problème, elle envoie des policiers pour détourner la circulation. Pendant ce temps-là, ils ne combattent pas le crime. Et ils laissent la voie libre à, tous ensemble, Spider-Man. Il veut voler le travail de notre police. Ah, comme il est à la lumière. Ça va aller stylé. Ce non-voyant m'avait donné sa carte au cas où Spider-Man aurait besoin un jour d'un avocat. Attends, mais s'il est aveugle, comment il a su qui j'étais? Bon. On va aller voir les sacs à dos qui sont là. Alors, on y va. Ils sont où? Tiens, ils sont là. Voilà. Aïe. Ouais, bon. Je crois qu'il y a quand même plus épanouissant dans la vie que tirer des roquettes sur un gars en collant. On prend ça. Les spinners signal. Ah, c'était une super idée. Il fallait un faisceau lumineux tellement puissant que ça surchauffait aussitôt. Une autre fois, peut-être. Voilà. On va aller... Je sais pas si on peut le faire, celui-là. On va voir. Alors. Quoi? Putain. C'est bon, je m'en occupe. Faut chier ça aussi. Les gars, le coup de la destruction de New York, on l'a déjà fait. Voilà.
Mais bon. Ah, il y en a encore un. Fisk était fou. Mais lui, au moins, il aimait New York. Les démons, eux, on dirait qu'ils veulent simplement détruire la ville. Allez, on y va. Par là. Bellatrix. Là où j'ai un peu de scrupules, c'est une technologie de camouflage pour les plaquations militaires. On l'a testé à l'aide de drones armés. C'est la seule concession que j'ai fait à mon père. J'espère que ça l'encouragera à financer les autres. C'est moi qui le teste. Voyons si je peux intégrer cette technologie de camouflage dans ma combinaison. Yes! Ah, le champ énergétique interfère avec mes lance-toiles. Non, c'est pas idéal. Ces drones armés sont défectueux. Ils sont dangereux. Et le signal d'autodestruction fonctionne pas d'ici. Mais si je suis camouflé, je pourrais m'approcher suffisamment pour déclencher le système. Ce drone n'est pas allé loin. Je vais télécharger ces données avant de le détruire, pour pouvoir identifier le problème. Bon. Je dois m'approcher à moins de 10 mètres du drone pour l'arrêter. Et je dois être camouflé. J'ai réussi. Et je vais devoir redevenir visible pour atteindre les autres en me balançant. Il est où? Comment je fais? Voilà. C'est mal, hein. Il est où? Il est là-bas. Voilà. Désolé le drone, au moins il reste les données. Lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon. Non.
Putain, c'est dur, hein. Aïe. Ah, putain, je suis mort. Putain, merde. Ouais, c'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai réussi. Mais je vais devoir redevenir visible pour atteindre les autres en me balançant. Voilà. Et boum. Désolé le drone, comment il reste donné. Bon. Tu l'as pas vu venir, hein. Voilà. Merde. Où il va? Voilà. Un drone de moi. Il y en a un là. Allez, viens. Les drones armés. Il y en a là-bas, en bas. Le retour de l'invisible Spidey. Allez, viens. Le mode furtif, c'est sympa. Voilà, c'est bon. Mais je préfère garder mes toiles. J'espère qu'Oscorp finira par réaliser que c'est pas une bonne idée de faire voler des drones armés au-dessus de Manhattan. Bah quoi, on peut rêver, sans les données qu'il leur fallait. Et la technologie furtive est prometteuse, même s'il faut encore l'améliorer. Je crois que la... Bon. La mission d'Harry est sauvée. S'ils arrivent à corriger les bugs, je me ferai peut-être une combi furtive. Bon. Il y a celui-là, mais je crois qu'on peut pas le faire. Je vais essayer. Je crois pas qu'on peut pas le faire. Bon. Non, je peux pas le faire. Ok, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Bon, maintenant on va aller là.
Voilà. Ah, on va voir ce qu'il va dire. Pour vos enfants, ce qui va suivre devrait servir de leçon aux têtes blondes influençables. Mon invité du jour est un homme qui a découvert à ses dépens que se déguiser en Spider-Man, ça fait mal. On vous écoute. Bah, en fait, je voulais combattre le crime et aider les autres. Et je suis un grand fan de Spider-Man. Alors, j'ai mis un costume de lui et j'ai essayé de faire pareil. Par contre, c'était une grosse erreur. J'ai failli me faire tuer. J'ai vraiment du bol que le pas de Spider-Man soit arrivé. Je vous interromps tout de suite car je pense que le message est bien passé. Imitez Spider-Man, quoi qu'il arrive, c'est la mort assurée. Ne faites pas ça, les enfants. Encore une leçon de vie de tonton Jola. Jared, déposez ce slogan. Lola. Bon. Voilà. Parfait. Là, il y a un sac à dos. Ah, niveau supérieur. Bah, niveau supérieur, qu'est-ce que j'ai comme compétence? C'est quoi ça? Ralentis le... Ah, c'est coup 2. D'accord. Cher. On va faire celui-là. Pendant une roulade consécutive, un atterrissage pour partir en hasard. Ok. C'est quoi ça? Trouver un truc à faire pendant les planques. Ah, jeu vidéo, console. Ok. Et là, il y a un monument. Alors, c'est quoi cet endroit? Voilà. Bon, ça c'est fait, on va faire celui-là. Boum. Tu sais, j'adore étaler des petites frappes. Merci. De rien. On va faire celui-là. Voilà. Là, il y a un monument. Fontaine Bethesda. Ok, et là il y a un sac à dos. C'est quoi? J'ai battu Scatcher juste après avoir acquis mes pouvoirs. J'avais jamais eu autant d'argent avant. Ni même depuis, maintenant que j'y pense. Ben voilà. La zone a été accomplie ici. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, on va aller là. Allez, on monte. Bit30, nous avons un vol en cours. Rendez-vous à Sycamore, terminé. On va décrypter d'abord. Voilà. Parfait.
Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire ça. Boum. Voilà. Alors là, faut pas être très futé pour braquer une boutique dans la ville que Spider-Man protège. Avant, je collais les bandits dans une toile et je laissais un message à la police. Yuri, j'ai trouvé un des chantiers de fisc. Vous allez rire? C'est une vraie fourmilière du crime. Essayez de faire du bruit. Si quelqu'un se plaint du tapage, je pourrais envoyer une patrouille. Du bruit? Ouais, ça je peux le faire. Dans ces moments-là, on voit qui sont nos amis. Et surtout, j'ai fait une sacrée mémoire. C'est... Voilà. Petit à petit. Voilà, arachnophobie. Bon. Voilà.
tu mets voilà. Un chapeau. Non sérieux, j'ai un loyer à payer. Spider-Man, je viens de vérifier. On a identifié une multiplication de fourbillés dans le quartier. De la fausse monnaie? Un art en permission? Je vais lui donner le coup de grâce. Coiffure moche, trop de parfum. Ouais, encore des brutes de fisc. Écartez-vous! Voilà. 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 Parfait. C'est bon, le repère il est fait. Tout est réglé maintenant, Yuri. Super, encore une source de revenus que Wilson Fisk ne pourra plus utiliser pour payer ses avocats. Putain. Il lui reste encore combien de chantiers à Fisk? Aucun. Il exploitait chacun d'eux au maximum pour générer des revenus. Il va avoir beaucoup plus de mal à faire marcher ses petites affaires. Dommage pour Fisk, et tant mieux pour New York. Je suppose que tu t'amuses bien. Willy, tu vas rire. Je viens de visiter un de tes bâtiments. Et tu seras choqué d'apprendre que des criminels sont donnés à cœur joie à l'intérieur. Pour résumer, le chantier Fisk est fermé. J'ai d'autres sources de revenus. Mais tu m'as indisposé. Il y aura des conséquences. J'ai une bonne mémoire. Et j'ai le bras long. Je devrais proposer à tous ceux qui ont essayé de me tuer de se battre pour désigner un élu. Bah voilà. Nickel. Donc, maintenant, je peux faire là. Ah, il y a plus de chantier. Tant mieux. Alors c'est quoi là? Cérès. New York est réputée pour la qualité de son eau potable, mais cela implique des tonnes d'efforts. Cette station conçue pour nous faciliter la tâche surveille la petite nappe d'eau connectée au réseau principal de la ville. C'est l'une de mes stations. Elle contrôle la qualité de l'eau. Si des impuretés apparaissent, elle donne l'alerte. J'aimerais m'en occuper moi-même, mais c'est juste que je trouve jamais le temps. J'ai l'impression qu'Arim cache un truc. J'espère qu'il va bien. Cette algue tue déjà les poissons. Et si je l'arrête pas, elle va vite remonter la chaîne alimentaire. J'ai créé un virus qui pourrait la détruire dans le labo d'Arim. Mais il faut un échantillon d'algues pour que ça fonctionne. Direction le lac et plus vite que ça. Bon, il ne reste plus qu'à fendre les parois cellulaires. Le meilleur moyen, c'est la force d'accélération. Le moyen le plus direct d'appliquer la force d'accélération, c'est de sauter d'un immeuble.
Et le plus haut du coin, c'est celui d'un scorp. J'aurais préféré faire ça dans un labo, mais le temps presse. Sans mettre d'eau. Ah non, c'est pas ça. Mais pourquoi je suis bloqué là? Bon. Appuie sur L3 pour plonger. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas, je t'ai compris. Je sais pas compris. Appuyez sur L3 pour plonger. Ma foi, j'ai pas compris. Non, j'arrive pas à comprendre là. Yes, c'est bon. Reste plus qu'à recommencer. J'ai pas spécialement hâte de recommencer, mais bon, pas le choix. 250 mètres d'eau. Pas assez bas. Ce bâtiment là. Essayez de pas mourir maintenant. Voilà. Retour au lac pour diffuser ça dans la nature. Voilà. Conçu pour combattre les algues toxiques. Mais inoffensif pour le reste de la flore. Et tant mieux, parce qu'un parc sans verdure, c'est juste un terrain vague. Voilà. Injecter du bocal, c'est fait. Bon. Maintenant que la zone, celle-là, elle est faite, tiens, un sac à dos là, tiens. Allez, on y va.
Mon premier appareil photo. Je l'avais trouvé sur une brocante. Cette bonne vieille pellicule. Ok. Bon. Ça c'est fait. On va aller voir là-bas. Voilà. Oula. Aïe. Encore des malfrats? Ils sont donné le mot. Aïe. 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 Voilà. Bonne chose de faite. Il y a bien assez de chauffeurs fous dans cette ville comme ça. Mais bon. Très bon. Parfait. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Tour des Avengers. Un témoin a signalé une vente de drogue. Le signalement a eu lieu à Museum Mile terminé. Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fist est là. Je peux pas laisser faire ça. Chauffez l'araignée ! C'est quoi ? Vous comptez déclarer ça aux impôts ? Ou pas ? Je vais les perdre! Il faut que je me dépêche! Allez, tirez! Pour que les amortisseurs un peu raides! Voilà! Vous avez l'air tellement bien là-dedans! Ça m'embête de vous déloger! Parfait. Le trafic voilà. De drogue est peut-être le crime que je déteste le plus. En tout cas, c'est en haut de la liste. Ou bon, en bas, ça dépend comment on voit. Alors, il y a un sac à dos tout en haut.
police va prendre leur lait. On va y aller. À la tour des Avengers. Voilà. Je sais pas si ouvrir ça libérerait vraiment Sandman, mais j'ai aucune envie de tenter le diable. Ah oui, c'est l'homme sable. Il est dedans, l'homme sable, putain. Les démons sont plus dangereux que... Tenez bon ! La cavalerie est au bout du fil ! Voilà. Parfait. Je crois que c'est bon. Tout le monde va bien ? Les démons se battent comme s'ils étaient possédés. Bon. Il y a un truc ici. On va y aller. Alors on fait ça et les deux et le dernier la mission et après c'est bon. L'industrie pharmaceutique, surtout dans le titre. Oui, je sais le réveil, je sais que c'est la fin de Spider-Man. Voilà. Au moins Fisk tenait tous ses dealers en laisse. Oh, attendez. Qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que... Il me manque ? Oh non ! Bon. Ça, tout ça c'est fait.
Il me reste plus que ça à faire, après on s'arrêtera ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai fait mal ? Lucia, à l'assaut du château. On contemple les oiseaux au clair de lune ? J'observais les ravages nocturnes dans le parc quand j'ai repéré un groupe d'hommes armés de fusils vers Belvedere Castle. Merci de m'avoir prévenu, chère. Stéphanie, dites-moi si je peux être utile. Je continue à faire le guet depuis mon perchoir. Merci pour le coup de main, Stéphanie. Pourquoi y aurait des hommes armés à Belvedere Castle ? Tu dois me dire que c'est pas des touristes. On va voir. Les hommes de fils, c'est pas bon signe. Voilà. 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 Il en reste plus. Voyons ce qui manigançait. J'ai pas trop compris leur manège. Peut-être que je peux trouver des infos sur cette clé USB. Génial. Stéphanie, un oiseau vient de piquer une clé USB pleine de preuves. Un pigeon, je crois. C'est normal ou quoi ? C'est leur période de nidification, alors ça ne me surprend pas. Et je crois qu'il y a un nid dans les arbres au sud-est du château. Nickel, je vais aller voir. Il a des copains. Super. Rendez-moi ma clé USB, bande de rats volants. Essayez le renforcement positif. Les pigeons sont dotés d'une intelligence remarquable. Une intelligence remarquable, hein ? Hé, les pigeons ! Désolé de vous avoir traité de rats volants. On pourrait peut-être s'arranger. Je sais pas combien fisc vous paye, mais je vous propose le double en graine. J'en ai un. Mais c'est pas lui qui a la clé. Voilà. Leur disque fabriquer les hommes de fisc. Voilà. Apparemment, ils cherchaient à transférer un verre sur le réseau Wi-Fi de Central Park. Ça aurait pu leur permettre de récolter en douce des tonnes d'infos personnelles. Donc j'y pense, même moi j'utilise ce réseau. Minute. Ça continue de charger à distance. Il doit y avoir plusieurs points d'accès. Stéphanie, vous êtes ma vigie du ciel. Vous avez repéré quelque chose d'anormal dans le parc ? Je vois un couple de deux grands ducs et... Non ! Une autre bande ! Vers une boîte de raccordement tout près ! Merci. Continuez d'observer les alentours. Je dois atteindre cette boîte de raccordement avant la fin du transfert. S'ils n'ont pas accès à l'ordi, ils peuvent rien charger. C'est vraiment pas pour lutter contre ça.
Voilà. C'est presque aussi exaltant que la fois où j'ai vu trois parisiennes à élimérer. Dites, il y a deux autres boîtes de raccordement qui sont attaquées. Je vous envoie les coordonnées. Merci pour l'info. Faut que je me dépêche. Encore deux? Je vais pas dire ça un jour. Mais pourquoi Central Park a besoin d'une couverture Wi-Fi aussi forte? Je croyais qu'on venait ici pour respirer. Voilà. Je dois les éloigner de cette boîte. C'est quoi ça? C'est là! Allez, on y va. Voilà. Voilà. Les habitants de Manhattan peuvent dormir tranquilles. Leur mot de passe et leur vidéo de chaton ne risquent plus rien. Spider-Man, je crois qu'ils m'ont repéré. Oh non. Oh. Vous en êtes sûr? Quasiment. Il y a des hommes armés qui débarquent. Fermez la porte du toit et tenez bon. Je suis en route. Je dois atteindre Stéphanie avant les hommes de Fisk. C'est à cause de moi qu'il s'est fourré dans ce pétrin. Je suis pas loin, cachez-vous. Ah, ils vont chier les hommes de Fisk. Séparez-vous et trouvez la nana aux jumelles. Spider-Man, liquidez-le, jetez la fille dans le vide. Voilà. Il en reste plus. Voilà. De rien. Les nuits d'ornithologie sont un peu moins palpitantes que ça d'habitude. Merci à vous. Sans vous et votre œil de lynx, un baron du crime aurait récolté les données personnelles de la moitié de la ville depuis sa cellule. Je me débrouille pas mal, hein. En plus, j'ai trouvé un nid de 6 têtes poitrine rousse pendant que vous leur mettiez le pied dans les gencives. De vraies petites beautés. Vous voulez les voir? Merci, mais je vais plutôt me concentrer sur une autre sorte de gibier. Bah voilà. Allez, grimpe en niveau. Niveau 19. Parfait. Parfait. Les tenues. On a une nouvelle tenue. Ouais, pourquoi pas. Et utiliser une prise de toile sans avoir besoin d'entoiler vos ennemis. Ok, pourquoi pas. C'est sympa la tenue. Mais je crois que je vais prendre celle-là la prochaine fois. Pour le prochain épisode, ça sera celle-là. Compétences, fais voir un peu. Deux points, un point, un point, un point, un et un. Ok. C'est quoi ça? Vous pouvez saisir et projeter les brutes après. Ok. Voilà ça. Il est stylé comme ça.
Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode... C'est quoi ça pour la tenue? Ah, c'est une onde de choc, c'est bien ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on fera le reste, hein, enfin le reste. Il nous reste que ça à faire. Donc on le fera pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Spider-Man. Bisous les amis.